À votre avis, survivre sur des sphères dans Minecraft, c'est dur à quel point? Bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de survivre sur des planètes dans Minecraft. Sauf que ces planètes seront modées. En gros, des items et des mods modés peuvent se cacher sur n'importe quelle planète. Et moi, je dois faire quoi? Aller sur ces planètes pour récupérer les yeux de l'Under, pour aller fumer l'Under Dragon. Le problème, c'est que j'ai qu'une seule vie. Si ce concept vous plaît, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est particulier le spawn, je pensais que j'allais être sur une planète moi. Bah non, je suis dans de la bouse là, littéralement. Écoutez, c'est la vie, mais j'ai vu qu'il y a un petit trou, donc je pense que je dois remonter par là. Mais avant, il y a surtout un coffre. Alors on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a. De la bouffe et un talisman chelou. Alors je vais prendre la bouffe, je vais prendre le talisman, je sais pas ce que c'est, mais go. Hein. On va remonter à la surface de la planète en prenant toute la terre du monde. Par contre, c'est super chiant, ils auraient pu me donner des blocs de base ou me faire spawn au-dessus. Hein. Mine de rien, j'en ai pour au moins 45 secondes là. Ok, j'en ai pris 41, si ça suffit pas, j'aurai la haine. Que oui, hein, je pourrais pas redescendre pour prendre MDR. Oh, il y a du bois là, attendez, j'en prends au cas où. C'est parfait qu'il y ait du bois ici, dans tout cas, il m'en fallait. Ok, on se casse, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, faites que j'ai assez de blocs de terre. J'ai pas assez de blocs... Oh! Oh, un bloc près. Hop là, nickel, c'est bon. Waouh. Ah ouais, là, il y a plein de planètes. Là, c'est stylé, là, ça claque. Parce que oui, l'objectif d'aujourd'hui, survivre sur des planètes modées. Voilà, il y a des coffres comme ça, un peu partout sur les planètes. Parce que normalement, dans ces coffres, il y a des items modés et surtout, il y a les perles de l'End pour me servir à aller dans l'End. Et le premier item modé, c'est un dirigeable. Oh, c'est pour me balader partout. Oh, regardez, c'est trop bien, c'est un vrai dirigeable. D'accord, et je peux le piloter? Pas de carburant, d'accord, bah super, il faut du carburant. Alors les perles de LED pour l'instant je vais les laisser là, j'ai pas envie de les perdre. Je pense que ça fonctionne au charbon ce truc. On va se faire du stuff de base et on va aller chercher tout ce qu'il nous faut. Oh, il faut que je remonte tout, oh, il faut que je descende tout en bas presque. Ok, nickel, de la pierre, je vais en prendre un peu. Il y a du fer, il y a des ressources. Oh, il y a du diamant là, je veux, ah, il y a du charbon. Je veux tout, je veux tout, je veux tout. J'ai vite fait de faire une pioche en fer et après je vais prendre le diamant là. Mais il faut surtout aussi du charbon pour pouvoir me déplacer. Allez, chauffe le fer, chauffe. Ah oui, je vous l'ai pas dit, j'ai qu'une seule vie. Bah parce que c'est plus marrant mes aventures si j'ai pas qu'une seule vie et puis voilà. Hop, la pioche en fer et c'est bon, je peux récupérer des diamants. Let's go. Bah, ça commence bien cette survie là. Hein. D'ailleurs, j'y pense mais j'ai toujours pas utilisé l'item que j'ai eu au début là. C'est un genre de talisman chelou, j'ai pas lu. Je vais récupérer du charbon en vrai, c'est tout ce qui est plus intéressant et après je me casse. Quel reste, j'en ai pas besoin. Let's go, ça avance de fou là. J'ai plein de diamants, j'ai plein de charbon, on est plutôt pas mal. Alors, Soul Spell, qu'est-ce que ça fait? Oh, mais t'es qui toi? D'accord, je m'y attendais pas. Ah ouais, carrément, ça fait des petits emotes in-game et tout, ça me parle. C'est un truc kawaii japonais, ça je reconnais ça. Oh, elle me parle! Attendez, sans déconner, elle me parle! Et d'accord, intéressant. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais te battre? Genre, si je donne une arme, tu tues des trucs? Oh mon dieu, il y a un menu immense, inactif. Oh oui, regardez, je peux lui faire faire des trucs. En vrai, tu vas rien faire du tout, et puis tu vas rester là parce que je sais pas comment tu fonctionnes. Alors, non, moi et mon dirigeable, si je fais ça et que je fais ça. Oui, ça fonctionne, regardez, c'est le carburant nécessaire. Tais-toi, par contre, pas commencer à me casser la tête là, hein. Donc, ça veut dire que j'ai le carburant nécessaire, on va pouvoir quitter la planète. Par contre, mauvaise nouvelle, il fait nuit. Je vais faire un plastron et une hache. Je pense. Oui, c'est bien. Je sais pas quitter, mais tranquille. Voilà, comme ça, j'aurai un peu de défense. Allez, viens, petite, là. Monte dans mon vaisseau, là. Je pense qu'il y a deux places. Je sais pas si je peux te forcer à monter, là. Non, je peux pas. Ah, si, c'est bon, allez, monter, nickel. Allez, on y va, on va à l'aventure. Je sais pas c'est qui, ça me terrifie. J'ai peur qu'elle me bute, mais tranquille. Alors, on va explorer les petites planètes avant d'aller dans la grande planète. Simplement parce que j'ai pas de stuff. Et si je vais devoir affronter un boss, bah, ça va me saouler. On va aller là. Là, regardez, il y a un coffre. Il y a un coffre, mais il y a rien écrit dessus. Donc, je sais pas si c'est un truc bien ou nul. Putain, mais j'ai déjà fait ma pioche. Bon, ici, il y a un milliard de pioches. Il n'y a rien dans la planète, je suis curieux, peut-être qu'elle est creusée, mais je suis pas sûr. Ah, j'ai pas l'impression qu'elle soit creusée, hein. Ça a l'air de puer. Hein. Go se barrer à la planète de bois, là. Attention, attention, on descend. Ok, super. Il n'y a pas des mobs, c'est bon. Il n'y a personne. Ok, j'ai l'impression qu'il n'y a personne, mais bon. Il y a un mec, je l'ai vu. Salut. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, pas lui. Lui, je sais d'où il vient, dégage. Tombe. Ok, c'est bon, il est tombé. Ah, ces petits squelettes de merde. Dégage, merci. Il y a Boarding KO. Ok, il y a Boarding KO. Donc faut que je fasse gaffe, j'ai l'impression qu'il spawn quand je vais sur les planètes importantes. Là, il y a un coffre. Mais c'est de la merde, attendez, elle est pas creusée, elle. Si c'est creusé et qu'il y a un truc en dessous, j'aurais le seum de pas le voir. Oh! Non, ok, j'ai rien dit. Il y a un truc. Bonus, annexe perle. Donc c'est bien ça. Sur les planètes un petit peu plus nulles, il y a du stuff. Regardez, je suis pas beau avec mon gros casque de centurion là. Ça va, tranquille. Yeah. Je suis mort, elle m'a dit yeah. Je suis mort. Où est-ce que je vais aller pour ma prochaine direction? J'ai un peu envie d'aller dans une des grosses planètes, mais j'ai peur qu'il y ait un boss. S'il y a un boss, je me fais tabasser la gueule. Hein. Donc je vais peut-être encore explorer. Je vais explorer la planète de terre là, qui est juste là. Il y a un coffre, mais j'arrive pas à voir. Il y a une pancarte dessus, ok. Il y a des mobs. Ils spawnent quand je vais sur la planète. C'est vraiment un truc de bâtard. Ah là, regardez. Mais si je vous casse votre gueule. Non, c'est des chefs cuistots. Dégage.
Ok, ok, nice, je l'ai eu. Un deuxième, il y en a un deuxième. Dégage, dégage, je veux pas mourir. Donne-moi ta fourchette géante là. Allez, allez, donne-la moi. Il me l'a pas donné, slash. C'est pas grave. Là-dedans, il y a écrit quoi? Perle annexe, je prends. Oh, il y a du stuff. Et un pistolet, je suis mort, c'est trop bien. Et hop, une perle de laine aussi. Ok, donc explorer les planètes, c'est vachement worse. Ah, je peux pas tirer avec. Ah non, il faut des graines de citrouille. Mais j'en ai pas, frère. Où est-ce que tu veux que je trouve ça? Ah, bref, on se casse de là, c'est bon, j'en ai fini. Il y a des planètes, elles sont géantes. Regardez, là, il y a une planète bibliothèque. Regardez, là, il y a une planète End. Ça peut être très important, cette planète, donc faut que j'aille voir. Alors, est-ce qu'il y a un petit portail de laine juste en dessous? Ah ah, je savais. Oh, c'était sûr qu'il y avait un portail de laine. Attendez, je vais faire un escalier ici. Ok, donc c'est ici que je vais devoir mettre les yeux. Hop, j'en ai un, j'en ai trois à la maison, c'est parfait. Plus que neuf. Donc, je pense qu'on va pouvoir se diriger sur une grosse planète. Tout simplement parce que j'ai trouvé les trucs importants. Hein. Dépêche-toi, la montgolfière, on va aller sur la planète de laine géante là. Plus je pouvoir me faire un lit avec cette planète. Hop là, je suis juste au-dessus. Fais attention de pas trop péter la montgolfière parce qu'à chaque fois je dois la réparer. Ok, toi là, écoute, ça va être important, il y a une chance que je revienne pas. Hein. Parce que là, s'il y a un boss, une grenade comme ça, il va peut-être me casser la gueule. Mais j'y vais parce que je suis en malade. Allez, là aussi on va descendre l'escalier parce que j'ai peur de tomber dans un trou. Je vais me faire un petit chemin comme ça. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, je le sens pas du tout. Je sens qu'il va m'exterminer la gueule, on dirait un golem géant. Il y a écrit 2 sur le coffre, donc ouais, c'est bien le coffre que je dois trouver. C'est simple, soit j'ouvre le coffre, il s'active, soit je m'approche de lui, il s'active. Bah les couilles, je suis un bonhomme. Ah, c'était sûr. C'est un golem qui veut me péter la gueule. Ok, attendez. Wouh, il me tire des trucs, super. Meurs, sale bâtard, meurs. Oh non, il a beaucoup de vie. Aïe, ça fait super mal, ma vie, aïe. Pourquoi j'ai pas de balles dans mon pistolet? Faut mourir, monsieur, faut mourir. Oh, on recule. Wouhou, il essaye de me lancer des trucs. Alors, poteau, t'as bientôt plus de vie? Tiens, gratos, je me casse. Tu vas mourir, t'es mort. Il veut pas mourir, tout simplement, là. C'est bon, ça, t'as fait ton temps, frère. C'est bon, ça dégage. Il a looté du stuff, mais en vrai, est-ce que je m'en battrais pas? Je m'en fous, voilà. Alors, le coffre numéro 2, nickel, il y a quoi dedans? Oh là, Nether Star, un œil de l'End. Ou en Netherite, mais wesh, pourquoi il y a tout ça? Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, il peut pas m'attaquer, sinon il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Ah, fais un clic droit pour trade. Est-ce que je viens d'avoir dans le coffre, je peux le trade? D'accord, il m'a donné une scie. Ok. Ah, mais je viens de comprendre, à chaque fois que je fais une étape du coffre, il y a un mob qui vient m'échanger un item. Ok, c'est ça les trucs modés, je comprenais pas au début. Je sais pas ce qu'est fait la faux, mais on va vite le voir. Qu'est-ce que c'est qu'un shadow? Oh, ok, je peux me téléporter. Eh, c'est bon, je suis retourné en vie, en plus j'ai plein de laine. Donc on va pouvoir y retourner à la maison là. En vrai, avec elle qui m'accompagne, je me sens un peu moins seul. Hop là, on rentre à la casa là. Alors, j'ai 4 œils, donc en tout j'en ai 5 déjà. Vu que je suis là, ça me sert à rien, mais je vais faire un lit. Comme ça, au moins, je pourrais passer la nuit toute moche. Où est-ce qu'on va, prochaine destination? Là-bas, je suis pas allé, il y a des grosses planètes, genre la planète de sable. Donc, je pense que ça va être la prochaine destination. Ou alors, est-ce que je ferai des petites planètes là pour récupérer du stuff ou ça me sert à rien? Je sais pas, et je m'en fous parce que je suis mon instinct. Allez, c'est parti par là-bas là. En bout, il y avait un coffre, mais je m'en fous un peu, je vais aller sur la planète de sable. Ok, bouge pas d'ici, je reviens toi. Eh, je suis très curieux d'explorer les planètes, j'aime beaucoup le concept en vrai. Oh, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Oh là, ça, les plus grandes et... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Coffre numéro 3. Ouais, voilà, je peux pas l'ouvrir. Et salaud, il m'autorise à faire un clic gauche, mais pas un clic droit. Ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une machine automatique. Faire un clic droit, ça fait rien. Donne-moi ton argent et j'invoque la créature. Oh là! Oh là, quelle créature! Et quel argent? J'ai pas de thune, frère. Bon, je vais le faire parce que c'est la vie, mais... Il l'a bouffé, wesh! Il a bouffé mon... Please, frérot! Oh! Oh, il a voté la... Ouais, je comprends pas comment ça fonctionne le mode en vrai. Ça va? On dirait un mineur. Qu'est-ce qu'il faut lui? Il lui faut une pioche en netherite et une nether star. Et là, je peux ouvrir. Et là, je peux ouvrir le coffre. Ah, j'ai même sa lanterne. J'ai piqué ta lanterne, mon pote. Ça te dérange pas? Garde l'œil de l'end précieusement. Et puis voilà. C'est trop bien. Il y a des petites énigmes en plus. Elle fait quoi sa lanterne? Oh, ça invoque un cheval! Un cheval de l'enfer! Mais c'est trop classe! Bon, en vrai, invoquer le cheval, ça me sert pas à grand chose vu que je suis sur une planète, mais c'est pas grave, c'est stylé. Et là, j'ai une pioche qui a l'air pas mal. Oh, ça mine plein de trucs à la fois. Ok, elle est pas mal. Donc, s'il fait nuit, là, on va rentrer à la maison, on va dormir. Donc, ce côté j'ai fait. Il manque ce côté et ce côté. Bon, dans la boule de bibliothèque, il y a carrément un truc, c'est obligé. Donc, on ira vers la fin. Je vais faire ce côté, je pense, là-bas. Là. En vrai, je sais pas vous, mais moi, j'adore l'aventure là. Ça change d'habitude et c'est ultra stylé quand même. Alors, je suis presque sûr qu'il n'y a rien dans la boule de glace, tout simplement parce qu'elle est pas assez grande. Bon, en vrai, je dis des boules, mais, mais c'est des planètes, hein. Là-bas, il y a une pancarte sur la boule. La planète de cuivre, en plus, what the fuck, c'est bizarre. Hop là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Annexe perle, nickel. Centurion leggings. Oui, une nouvelle pièce d'équipement. Bon, je suis pas très beau, mais au moins, je suis protégé. Il y a une boule de diamant, je suis curieux d'aller la voir aussi. Et là, il y a quoi? Il y a une planète de charbon, il y a un coffre dessus, mais il n'y a pas de truc, donc bon. Ok, ici, je pense que c'était juste pour le coffre, on va voir la boule de diamant. Bah, la planète de diamant plutôt. Ah, il y a un coffre, mais vide. Qu'est-ce que je me suis fait avoir? Ah, mais c'est de la merde! Hé! Hey,
Tu voulais te barrer, toi? J'ai une pioche de fou, je vais... Ah, juste pour le... Oh, la satisfaction. En vrai, juste pour la satisfaction, je suis content MDR de miner tout. C'est trop bien, regardez comment ça mine. Ah! Ah ouais, là, je m'y attendais pas. C'est quoi ce truc? Je m'y attendais pas. Je me suis dit, oh, je vais miner 1 million de diamants, je vais pouvoir faire mes bottes au moins. Boum, il y a un temple. Ouais, cette merde, il y a un temple géant. C'est le 6e, ok. Alors là, j'aurais jamais pensé que ça aurait été un truc. Je me suis dit, vu qu'il y avait un coffre au-dessus, bah, c'est pas là, mais bon, c'est là, on dirait. Ah non, je peux pas ouvrir le coffre, c'est comme avec la machine à vendre là. Il faut que je fasse un truc avec ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça a l'air terrifiant. Oh, temple, fais une prière, une chance sur deux de survivre. Quoi? Ah ouais, mais non, mais là, moi j'ai pas signé pour ça par contre. Comment ça, une chance sur deux de survivre? Comment ça, une chance sur deux de survivre? Est-ce que je... Mais non! C'est-à-dire que ma vidéo peut s'arrêter là? Vous savez quoi? Je reviendrai tout à l'heure après. Je vous jure que j'ai pas envie que la vidéo s'arrête en fait, donc je vais faire ça en dernier. Ok, donc ici c'est la planète maudite, faut se barrer d'ici. Juste à côté de la planète bibliothèque, il y a une planète de fer géante. Qu'est-ce que c'est ça? Annexe. Perles, oh, ok, ah voilà. Je commence à avoir tout le stuff, hein. D'ailleurs, je vais jeter des trucs parce qu'il y a des trucs qui me servent à rien. Oh là, je pète la classe. Bon, il manque encore les bots, je sais pas où elles sont, mais c'est pas très grave. Allez, on y va. Go planète bibliothèque. Là, je le sens vachement bien celle-là. S'il y a pas un truc dedans, je casse tout, hein, vraiment. Hein. Bon, bibliothèque, ça pourrait être quoi le truc? Un défi, je sais pas, survivre à une vague de mobs. Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a rien du tout. Après, elle est énorme hein, quand même. Hein. Ça fait quand même vraiment 5 minutes que je creuse là, donc c'est vrai qu'elle est énorme, mais j'espère. Oh, c'est bon. Ah. Ah ouais, c'est haut. Je pense que je meurs pas. Mais attendez, j'ai une idée au pire. Je mange une pomme au cas où. Descends, mec! C'est bon, non, ok, je suis pas mort, mais bon. Ah, il y a encore un boss, il y a encore un giga boss. Bouge pas, toi. Je suppose que je ne peux pas l'ouvrir. Putain, ils adorent faire ça, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'ouvrir le coffre, je peux pas. Putain, j'ai tué le boss, c'est un boss warden en plus. Oh, il est horrible. J'ai mon cheval de l'enfer au pire. Ah, ça l'a activé. Si, si, voilà, je suis en train de me dire, il voulait pas me buter. Si, si, il veut carrément me buter. J'ai pas de graines, c'est mon seul gros gré. On tape, on fuit. Haha, espèce de loser, va. Lui, il a pas de boss bar par contre. Ok, yeah. Ok, c'est terrifiant. Ces attaques, si je me fais toucher, j'ai peur d'avoir super mal. C'est pas mal ma compétence pour fuir là. J'attaque et je fuis, c'est vraiment pas mal. Esquive, espèce. Wow, il m'a sonic boom. Ok, ok, il peut mettre 1000 life en un coup. Ça fait super mal. Meurs. Ah, fuite. Non, mon cheval. Oh, lui, t'as massé sa gueule. C'est bon, il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, le cheval revient ici. Hop, voilà, nickel. Oh, c'est une main. D'accord, c'est. C'est une main. C'est une main de Warden, mais ça sert à rien. Ah, mais c'est une main qui fait moins de dégâts en plus. C'est une main qui fait moins de dégâts que mon arme. Ça sert à rien. Moi, je cherche même pas, je remets ma faux. Hein. Alors, le coffre. Un bâton de Blaze, une étoile de laser et une œil de l'End. Je vais me retourner, va y voir le mob. Putain de merde, il m'a fait peur. Je savais pas qu'il était aussi grand. Qu'est-ce que t'es, toi? C'est un villageois mutant couplé à des piglins. Trade un bâton. Allez, mon pote, moi je le prends. Merci. Il m'a donné l'évoqueur staff. Intéressant. Vous êtes prêts? Oh, ok, d'accord, c'est un bâton comme ça, moi je suis content. Hein. Petit bâton de magicien là, moi j'adore. Hein. Pour utiliser le diamant pour remonter à la surface, vu que j'ai que ça. Et puis on va se barrer d'ici. Ah, est-ce que. Eh, vas-y. Ah, je vais aller faire la planète diamant là. Non, c'est bon, j'ai pas vraiment une chance sur deux de survivre. Le jeu, il est pas. On dirait que quelque chose est en train de te chasser. Ah ouais, je vais me barrer d'ici, moi. Répare le truc. C'est bon. Ça commence à me faire flipper, la vidéo, là. Bon, sinon, j'étais en train de dire. J'ai pas vraiment qu'une seule chance sur deux de survivre. C'est bon, c'est scripté. Je vais gagner, en fait. Hop, on atterrit en douceur. Nickel. Parce que je vous rappelle, hein, je meurs, j'ai perdu. Hein. C'est pour ça que je déconne zéro, là. Ça me fait peur. Alors, le temple. Il faut prier, je vous rappelle. Voilà, temple, fais une prière, une chance sur deux de survivre. Ah, oh non, j'ai crash. Oh, j'ai crash. Oh non, j'ai perdu. Ah, la dinguerie! J'ai relancé mon Minecraft pour voir si c'était vraiment ça ou si j'ai juste crash. Quand je vais sur solo, je peux plus retrouver mon monde. Il a été supprimé! Le mod a supprimé mon monde! C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu. C'est une dinguerie. Ça fait deux vidéos de pas d'affilée, mais que je perds si vite. Où j'arrive pas à voir le Nord Dragon. C'est une dinguerie. Enfin bref, bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. J'ai le démon, mais bon. C'est la vie.